Salut à tous les amis Facebookiens. Bon voilà, il a neigé ici. Le petit est bien resté à sa place. Calipa aussi, Cachou elle aurait pas su faire autrement. Et Jasmine qui veut pas descendre. Je veux la faire passer de ce côté-ci pour la mettre avec Cachou et laisser Black tout seul. Bon, elle arrive donc je coupe. Elle change d'avis. Viens ma belle, viens. Faut dire c'est la galère, il y a plein de goût. Ensuite, voilà, une bonne chose de faite, Jasmine est par là. Black est tout seul ici, j'ai mis les fils. Je vais peut-être bien mettre la grosse barre que j'ai là à terre en sécurité. Ça m'étonnerait que ce soit par ici que les fils se cassent. Ce serait plutôt par là, si Cachou veut rejoindre les petits. Bon, je coupe, je ferai un montage. Voilà. Cachou est lâché, elle est près de Jasmine. C'est ici que les Romains sont poignères, comme on dit. Parce que le truc maintenant, c'est de voir si elle ne veut pas essayer. Bon. Je pensais pas faire ça maintenant, mais je mets Black avec Calipo et normalement le petit. Le tout, c'est que les petits là, enfin Black, Calipo et le petit poulain, ils auraient ça. Plus un box, plus le grand box là. Et les juments, elles auraient ce côté ici. Ou si elles ne l'ont pas tout de suite, j'ouvre là-bas pour que les grands puissent descendre. Enfin, celui-ci quoi. Là, ils se connaissent. Calipo, viens gamin! Je vais appeler Calipo comme carotte, que je veux voir si Black s'entend bien avec le petit aussi. On va c'est des jeux là. Allez, Calipo! Oh, il essaie de grimper Calipo le gros con. Eh, c'est pas de femelle un gars! Calipo! Je voudrais pas grimper son petit aussi. Est-ce que ce n'est que des jeux? Il veut grimper son petit là. Il essaie pas de grimper Calipo. Il va finir comme les puissants en Arabie Saoudite ou je sais pas quoi là. Les étalons homo. Casserole. Black qui garde. Hey Black! Viens! Pas sûr de mettre le petit avec. C'est à toi. Viens, Calipo! Ah, des mecs en bécane. Purée, ça me rappelle le bon vieux temps. Moi, j'en ai fait, dans mon tour. Allez vous deux! Ce que je voudrais bien c'est qu'ils aillent par là avec le petit. Voir ce que ça donne pendant que je suis là. Bon, je crois que je vais couper une grande baguette pour s'il faut chasser. Black, tu vas arrêter d'embêter Calipo. Bon, Calipo il est oncle. Black il est étalon. Il va s'exciter sur Calipo l'imbécile. Bon, j'ai vu avant de les mettre ensemble. Les gars qui mettent 20-30 étalons ensemble. Dans 20 minutes ça fait ça, puis après ils mangent tout tranquillement. Je ne vais pas mettre deux étalons complètement en fou dans un tout petit carré, mais ici bon, il y a quand même de l'espace. Allez mes petits, allez! Purée, ça va durer deux heures. Allez, hop! Allez! Allez Calipo, allez Black! Hop! Hop! Allez Calipo, retourne de ton côté! Allez gamin! Oh non! Allez, allez, allez! Hey Cachou, elle reste dans son abri, elle a fait son petit. Allez! Allez, Calipo! Allez! Pas par là, hein! Hop là! Petit coup de pied. Purée, il comprend pas que je veux qu'il aille là-bas. Allez! Calipo! Là, tu vas te faire choter, gros con. Allez! Et hop là! Il ne faut dire rien. Black! Bon, plus j'interviens, plus il les énerve. On va attendre un peu. Allez, Calipo! Viens, Calipo! Mettre une carotte dans un seau. Ça coule la main. Bon, comme j'avais dit, ça se calme un peu.
Mais Black, il essaie de grimper Galipo, il est vraiment bête. Pas de femelle, un gars. Il y a quand même les odeurs et tout. Hein. Quand c'est pas ça, il essaie de le montrer. C'est pas une bonne idée de les mettre ensemble. Il y en a qui me disent qu'il peut mettre un étalon avec un oncle, ou alors Snake du jeu. Mais quand même, essayez de grimper dessus plusieurs fois. Il y a le mettre les cachous, il va faire se régler, on est au mois de janvier, le 15. Donc c'est un poulet en plein hiver, ça. Ça tombe l'hiver prochain. Au mois de janvier, il fera 10 fois plus caillant que maintenant. Vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'est pas tout top, les gens. Ça fait un poulet dans les 15 décembre. Tout se passe normalement. Je voudrais bien les faire aller tous les trois là, qu'ils voient le petit. Ils seront à trois pour jouer, le petit. Tiens, tiens. Mais voilà, quand on est tout seul, quand je dis que je dois faire des trucs et qu'il faut être à deux, je vais m'enfiler là vite loin maintenant. C'est pas évident. On peut rien, là, son bébé et tout, son mec, ses chiens. Mais ses chevaux sont ici et elle vient toutes les semaines, hein, faut pas dire. Mais c'est Big D qui bosse de même. On n'a jamais toujours les mêmes idées, pour les séparations, elle se blague tout seul, tranquille, peinard. Allez, Calipo, c'est qu'il vienne. Je vais secouer cette soupe carotte, purée. D'habitude, il arrive au galop pour avoir. Bon, voilà. On attend, on est fatigué. Même avec du picotin, Calipo est concentré à fond. J'ai quelques belles soupes. Donc je les mettrai tous les trois ensemble. Et doucement! C'est pas bien méchant. Hein. On se monte. Et doucement! Allez! Boum! Calipo a un gros cul alors quand il cogne l'autre. Et voilà, je suis là comme un con à secouer mon saut de picotin. Il n'y en a pas un des deux qui veut plier, hein. C'est les égos des mecs, hein. Même quand ils ont les castagnettes coupées. Il y a eu quelques shots un peu plus violents. Mais on ne sent pas grand chose. Dire qu'ils sentent une piqûre de mouche. Bon, vous voulez rester ensemble ou quoi? Moi ça ne m'arrange pas. Hein. Faut que Calipo vienne ici. Là qu'il restera tout seul ou alors tant pis, je vais foutre avec les deux juments. Hein. Et si j'ai des poulains en hiver, ben, on se démerdera. Prochaine. De toute façon, si j'ai des poules en hiver, je vais enfermer les chevaux, puis point barre. Hein. Je leur fais un petit carré pour les sortir de temps en temps, comme j'ai fait l'année passée. Je faisais partir Calipo là-bas de l'autre côté, parce qu'il avait le box là de la nuit, car la cachou elle est entourée par tous les chevaux la nuit. Puis comme ça, quand elle va faire son poulain, elle sera entourée des quatre côtés pratiquement. Les autres qui la regardaient faire, quoi. Et la journée, ben hop, Calipo passait là, je refermais vite les fils, et puis Cachou, elle pouvait venir ici. Ils sont là, ces deux-là, pour l'instant. Les deux gros cons qui se décident pas à venir. Calipo, viens! Purée, d'habitude, il me boufferait les mains pour venir au picotin. Et il n'a même pas couru de fois aujourd'hui. Allez, je recoupe, purée, ça va encore faire une belle série de vidéos, mais t'as ça. Et voilà, l'affaire est réglée, Calipo, il est de l'autre côté, là. Black est là, il est content, monsieur, maintenant. Heureusement que j'ai un étalon pas bien méchant, gentil, à la limite un ombre qui est gentil aussi. Parce que ça serait un autre étalon. Purée, ça castagnerait autre chose que ça. Hein. Là ils ont fait plus de sport. Bon, je coupe. Bon voilà, tout est rentré dans l'ordre. Jasmine est ici. Vous voyez quand je suis au-dessus que j'explique, là il y a les palettes, ils savent pas passer. Là il y a entre l'arpe et le piquet, c'est des fils. Je rajoute des fois une barre comme ici. Comme ça, quand le courant casse, il ne va plus. Il ne fonce pas à travers les fils. Alors les grands, vous voyez, ils ont leur entrée ici, ça tout le monde connaît. Ils sont dans le grand box. Une fois qu'ils sont dans le grand box, ils savent se voir là, parce que quand le point... Voilà, tout le monde dort au soleil. Black, Jasmine, Cachou dans la moitié de l'abri. Cachou, elle reste là-bas, elle sort tout, je ne vois pas. Toujours le même souci.
fille quand elle ira dans le Grand Prix avec Jasmine. J'espère que le gros lui sera rentré petit près de lui. Enfin, que je vienne au soir pour ça. Certaines heures, c'est jamais la même chose. Et voilà pourquoi moi j'aime pas de mettre des couvertures aux chevaux. Vous voyez comme ils sont là, ils sont en train de capter le soleil à fond. Vous allez mettre votre main dessus, ils sont hyper bouillants. Vous mettez une couverture, ben, le soleil ne le capte pas. Voilà. Donc vaut mieux un bon abri avec la paille, qu'il soit bien au sec, savoir quand je vais rentrer. À part que moi, il y a des endroits où je suis marqué. Les abris ici, mais bon.